Voilà, bonjour à tous. Prenez place. Il est 9h et nous allons ouvrir cette deuxième journée de nos assises de l'économie circulaire. Alors, parmi vous, on m'a dit qu'il y en avait environ 200 qui n'étaient pas là hier. Nous serons 700 environ aujourd'hui. On était plus de 1100 l'année dernière. Qu'est-ce que je raconte ? Hier, ce qui montre quantitativement l'intérêt porté à notre sujet. Pendant que le petit générique démarrait, je me calais sur mon fil Twitter, puisque je vous rappelle qu'il y a le hashtag AEC2015, AEC, Assise Économie Circulaire. N'hésitez pas à le consulter, voire à envoyer des messages, à commenter tout ce que vous entendrez aujourd'hui. Et Fabrice Boussin a déjà envoyé son message en route pour les Assises 2015. Et il nous cite les deux thèmes que nous aborderons ce matin. J'en parlerai dans quelques instants avec Joëlle Kergrès qui va me rejoindre. Bienvenue. Vous êtes directrice exécutive adjointe des programmes à l'ADEME. Et pendant que vous nous rejoignez, Joëlle, je donne quelques consignes horaires. Mettez-vous là pour l'instant, parce que j'ai quelques petits trucs à vous raconter sur ce qui s'est passé hier. Quelques consignes horaires. Nous aurons une pause à 10h30. Après, vous pourrez aller là-bas. Vous aurez une pause à 10h30. Nous reprendrons nos travaux à 11h. Et le déjeuner est programmé à 12h30. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Madame Kergrès, qui va introduire l'ensemble de notre matinée, un petit rappel des épisodes précédents de ce qui s'est passé hier pour ceux qui n'étaient pas là. Juste vous rappeler, à un moment de la journée, hier matin, on a eu une petite discussion de synthèse intéressante avec Corinne Lepage sur quatre sujets que je rappelle parce qu'ils vont certainement éclairer nos débats de ce matin. L'économie circulaire, c'est du temps long. Et ça s'exprime chez les acteurs qui portent des démarches sur les territoires d'économie circulaire, parce que temps long égale difficulté à voir les choses, à voir les choses se transformer. Et puis des corollaires comme le droit à l'expérimentation et donc le droit à l'erreur. Il y a un phénomène autour de tout cela qu'il faut bien se dire. L'économie circulaire, c'est du temps long, même si en face, et ça a été clairement dit aussi hier, il est urgent d'agir et il n'y a pas de temps à perdre et on est tous d'accord là-dessus. Le deuxième phénomène, souvent on dit, et je l'entends souvent chez les professionnels, « Ouais, c'est bien l'économie circulaire, mais vous savez, moi j'en fais déjà et depuis longtemps, dans mon entreprise, dans ma filière, dans mon territoire. » Le sujet, et c'est une parole forte que veulent porter ces assises, c'est comment on change de braquet, comment on passe de l'expérimentation à la généralisation. Et là, il y a eu quand même pas mal de chemin parcouru depuis nos premières assises l'année dernière, parce qu'on a pu constater sur cette scène et sur l'ensemble des parcours que le passage à l'acte, il était en train de s'opérer et il y a des choses plutôt positives qui se passent sur le territoire. Ah, le troisième point. Là, on n'est pas au bout de l'histoire. Je dirais même qu'on est au début parce qu'on crie sur tous les toits que tout ça passe par du décloisonnement, des actions transversales. Il y a un grand élu hier qui nous disait « Moi, ça se passe bien sur les territoires. Mais dans ma collectivité, le bosser ensemble, les actions transverses, on n'y est pas encore. Hein, et c'est difficile. » De bosser avec mon collègue de l'économie ou avec mon collègue des transports. Bon, il faut se redire qu'on a là la planche de salut, la clé de succès indispensable au déploiement de ces démarches d'économie circulaire. Ça a beaucoup transparu aussi hier dans tous les moments de notre première journée, notamment dans les parcours de l'après-midi. Et puis, ce parti pris, enfin, de ces deuxièmes assises, d'entrer par la porte. Hier, j'avais mis compétitivité. Puis quelqu'un m'a dit dans la salle, « Ouais, c'est un peu trop restrictif, votre truc. »
Et comme hier après-midi, on a vu, et on se reposera encore la question dans un atelier cet après-midi, comme on a vu comment créer de la valeur sur les territoires, j'ai repris ce terme-là, de se dire, et là on a pu le mesurer avec des indicateurs objectifs aussi, que la création de valeur est au rendez-vous des démarches d'économie circulaire. Voilà quatre postures qui sont un peu une grille de lecture et qui nous servira aussi très certainement sur ce que nous allons partager ce matin. Et puis je rappelle la fameuse définition, voilà, Alain Geldron, il a mis des semaines à l'écrire, à la maturer, à la chouchouter. C'est bien de poser les mots, hein. C'est ce que je disais hier aussi, lorsqu'on parle de mouvement, de démarche, de transformation comme celle de l'économie circulaire, c'est bien de poser les mots. Et on a là ce qui nous convient le mieux aujourd'hui, parce que vous avez tous les entrants, hein, de l'équation économie circulaire. Un système, c'est systémique, un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie, à chaque fois, on a pris aussi, hein, ce point du cycle de vie des produits, biens et services, qui vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en permettant le bien-être des individus. Impact sur l'environnement, c'était notre sujet de deuxième partie de matinée, hier, et en prévision de la COP21, l'économie circulaire a un message à porter aussi, hein, bien évidemment, sur ce débat mondial. Voilà ce que je voulais vous dire sur les épisodes précédents. Et la série continue, elle est loin de se terminer. Et je vous propose, Joël Kergrès, en quelques minutes, de nous dire pourquoi vous avez choisi ce matin, en plénière, de nous emmener dans l'univers du bois, d'une part, et de la filière agricole et agroalimentaire, du champ à l'assiette, d'autre part. Ce qu'elle va vous dire va vous prouver que ces deux terrains de jeu sont d'excellents démonstrateurs de l'économie circulaire. Vous allez au pupitre ? Oui, ou vous restez là, faites comme vous voulez, hein. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis particulièrement heureuse d'introduire cette journée aujourd'hui sur l'économie circulaire dans les secteurs de l'agriculture, du bois et de l'alimentation plus généralement, qui sont des sujets qui me sont chers. Donc, je voulais vous remercier encore pour votre mobilisation importante sur ces deux jours, qu'il s'agisse des intervenants ou des participants. Et j'espère qu'on va pouvoir illustrer concrètement dans ces différents secteurs comment ils s'impliquent, comment ils appliquent le principe d'économie circulaire. Alors hier, les intervenants ont lancé plusieurs slogans. Le président de l'ADEME, Bruno Légevin, donc mon président, nous a rappelé toute l'importance d'économiser les ressources, excepté le jus de cerveau, je mets les guillemets, qui nous permettra pourtant de changer pour ce modèle économique plus vertueux qu'on cherche tous à installer. Alors, il va s'agir effectivement de préserver nos ressources, qu'il s'agisse d'eau, d'air, de sol, de matières premières, préserver l'ensemble des matières premières, qu'elles soient énergétiques, et c'est vrai que c'est sûrement celles dont on parle le plus en ce moment, mais aussi alimentaires, minérales ou biomasse. Alors, la transition vers l'économie circulaire, elle est souvent évoquée pour ce qui concerne, je viens de le dire, l'énergie et les matières premières minérales les plus stratégiques. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est aussi d'illustrer, de dépasser ces limites-là et d'illustrer comment tout ce concept d'économie circulaire se met en place pour les secteurs alimentation, agriculture et forêt. Et d'essayer d'illustrer les étapes de la production à la transformation et à la consommation. Alors évidemment, dans ces secteurs-là, on a des enjeux un peu spécifiques pour lesquels on mise sur le fait que l'économie circulaire peut proposer des solutions dans ces domaines. C'est clair que
On peut penser que, comme il s'agit de l'économie du vivant, le circulaire est, entre guillemets, naturel. C'est pas si évident que ça. D'abord, derrière le circulaire, autant on voit bien le mouvement de la matière et on peut se fixer des objectifs, donc c'est très, très intéressant. Mais dans les mondes qui nous intéressent, on est dans le systémique, et le systémique, ça veut dire que tout interagit et qu'autour du cercle, tout va se croiser et que ça va vibrionner un peu au milieu. Donc on va essayer d'illustrer tout ça et d'être vigilant sur cette lecture systémique du monde du vivant. Donc les grands enjeux pour ces sujets-là, bien sûr, ça va être, je l'ai déjà rapidement évoqué, l'enjeu gestion de la ressource sol. C'est une ressource, ça a été évoqué aussi hier, hein. C'est une ressource limitée, non renouvelable, très difficilement réparable, qui est le support de nos activités, de nos filières alimentaires et non alimentaires d'ailleurs. Un lieu où on peut boucler les cycles, un lieu où on peut stocker du carbone, un lieu qui est en interaction avec tous les autres milieux et avec le vivant, la faune, la flore. Donc on voit bien qu'on est dans un système particulièrement stratégique. L'autre enjeu, ça va être l'équilibre des grands cycles naturels, celui du carbone, celui de l'azote, celui de l'eau, où là encore, il va falloir avoir une vigilance particulière. L'enjeu de la préservation et de la gestion et de la préservation des ressources biomasse proprement dites, ça on va en faire tout un objet de discussion ce matin, qui elle, évidemment, certes, elle est renouvelable, mais elle est aussi limitée, elle est aussi épuisable. Et donc, il va falloir l'utiliser au mieux pour qu'elle soit optimale. Pour le bois, on parle souvent, et on va sûrement y revenir longuement, d'usages en cascade qui doivent être pertinents environnementalement, mais évidemment également pertinents économiquement. Mais on est aussi dans un milieu un peu spécifique où, peut-être encore plus qu'ailleurs, la plupart des produits dont on va de ces économies génèrent des sous-produits dont la valorisation économique est déterminante pour dégager des marges. Donc on est déjà dans des logiques peut-être un petit peu différentes. Donc ce qu'on peut dire derrière ça, c'est que j'espère qu'on va le démontrer, des choses sont en place, mais dans ce secteur-là, comme dans ces secteurs-là, on va dire, comme dans tous les autres, il y a des marges de progrès importantes qui demeurent. Et les intervenants qui vont se succéder ou qui vont prendre la parole dans les tables rondes vont largement présenter l'évolution des pratiques, ce qui est déjà en place, qui mérite d'évoluer davantage. Alors, avant de conclure, je reviens quand même à un petit rappel qui me semble essentiel, qui est qu'on pourra mettre en place l'économie circulaire que si on raisonne collectif. J'aime bien dire souvent que l'économie circulaire, c'est largement du développement local, c'est d'une dynamique, c'est une synergie. Donc il faut raisonner collectif, ça veut dire évidemment territoire, on en a longuement parlé, on continuera sans doute à en reparler, mais ça veut dire aussi filière, d'où le lien très très évident avec les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors je vais conclure là en vous souhaitant de très très bons échanges, circulaires ou systémiques encore mieux, et je vais vous laisser la parole pour prouver que sur ces sujets agriculture, alimentation et forêt, on peut reprendre le slogan qui a été lancé hier par François-Michel Lambert, l'économie circulaire, c'est parti et nous sommes la solution. On va essayer de se l'approprier aussi sur ces sujets-là. Et je profite d'avoir la parole pour remercier quand même chaleureusement toute la nombreuse équipe qui a organisé ces journées, et particulièrement, je suis un peu chauvine, particulièrement mes collègues de l'ADEME et particulièrement Evelyne Perréon, qui n'est peut-être pas là, mais j'espère que vous lui direz tous qu'elle a super bien travaillé. Donc très très bonne journée à tous et très bons échanges. Merci, merci beaucoup. Raisonner collectif, c'est certainement une autre phrase clé qui restera pour ces deuxièmes assises. Alors, comme vous l'avez dit, on va explorer
deux filières, deux terrains de jeu, le bois jusqu'à la pause, et de l'autre côté de la pause, agriculture et alimentation. Alors, j'espère que Benoît G., qui vient de poster il y a 10 minutes la question suivante, et si l'économie circulaire permettait enfin de relancer la filière bois, ben j'espère qu'il aura des réponses satisfaisantes dans les minutes qui vont suivre. Et je vais appeler Sylvie Alexandre, qui est notre grand témoin pour cette séquence « Optimiser les usages du bois ». Bienvenue, madame. Voilà, prenez place. Vous voulez aller au salon, ici ? Comme vous voulez. On se met là ? Très bien, vous êtes le grand témoin. Alors, on va planter le décor avec vous dans quelques instants. Juste avant, je vous propose de découvrir un film qui nous présente les faits. C'est important de démarrer des faits. La filière, la ressource, les enjeux, ce que représente tout cela. Vous regardez et ensuite on décrypte avec vous, madame. En France, la forêt recouvre 30% du territoire et nous rend bien des services. Elle participe au grand cycle de la matière, de l'air, de l'eau. La forêt stocke du carbone et contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique. Elle héberge de nombreuses espèces animales et végétales et constitue un réservoir de biodiversité. Tous ces services qu'on appelle les services écosystémiques. Mais la forêt joue aussi un rôle social en accueillant le public, sportif, promeneur, pour l'éducation à l'environnement, et un rôle économique. Le bois est une ressource renouvelable. Il peut remplacer l'utilisation de matériaux classiques qui demandent beaucoup d'énergie pour leur fabrication. Il prolonge le stockage de carbone pendant toute la durée de vie du produit. Le bois remplace les énergies fossiles, comme le fioul et le gaz. Pour la construction, l'énergie, la chimie du végétal, les besoins en bois vont croissant. Mais la ressource bois est limitée. La gestion forestière s'appuie sur des cycles très longs qui réclament une grande anticipation. Une gestion durable doit préserver les différentes fonctions de la forêt et garantir tous ses services. Voyons un arbre. Le tronc sert à faire du bois d'œuvre. Les grosses branches et les troncs de faible dimension font du bois de trituration pour le papier, les panneaux de particules ou l'énergie avec ses bûches, plaquettes ou granulés. Le reste, le menu bois, peut être valorisé en énergie ou laissé sur la parcelle, ce qui est important pour maintenir la fertilité du sol. Le sillage du bois d'œuvre permet de construire des maisons, y compris des immeubles de plusieurs étages, de produire des meubles ou des emballages. Dans une scierie, seulement la moitié du bois entrant est valorisé sous forme de sillage, car le sillage du bois engendre la production d'écorce, de sciure ou de plaquettes. Cette seconde moitié de matière résiduelle peut être transformée en panneaux, pâte à papier ou énergie. Le bois destiné à l'industrie est trituré pour fabriquer des panneaux et du papier. Cette industrie valorise aussi beaucoup de déchets bois. Vieux meubles, déchets du bâtiment, 30% du bois utilisé dans la fabrication de panneaux provient du recyclage. Le bois énergie utilise le bois peu valorisé par les autres filières. La biomasse reste en France la première source d'énergie renouvelable. 20 millions de mètres cubes de bois sont utilisés directement par les particuliers pour se chauffer. Les collectivités et les industriels en consomment 6 millions de mètres cubes pour alimenter des réseaux de chaleur ou leurs procédés de fabrication. Les cendres, si elles sont de bonne qualité, peuvent être épandues pour préserver l'équilibre et la fertilité des sols. Aujourd'hui encore, beaucoup de vieux meubles ou de déchets bois du bâtiment sont jetés. Or, la valorisation des déchets bois pour élaborer de nouveaux matériaux ou produire de la chaleur constitue de réelles opportunités et peut améliorer le bilan environnemental de la filière. Ce qui signifie que les produits à base de bois doivent être éco-conçus.
Leur fabrication doit limiter l'usage de colle et d'adjuvants nocifs pour faciliter leur valorisation dans de nouveaux produits en bois ou éviter un traitement poussé des fumées s'ils sont brûlés. À l'échelle de chaque territoire, la forêt et les activités liées au bois constituent d'importants enjeux économiques et environnementaux. La filière représente un potentiel d'emploi non délocalisable et peut répondre aux besoins des territoires en matériaux et en énergie. Elle contribue donc à l'aménagement du territoire. Les consommateurs ont également un rôle important à jouer en privilégiant les produits issus de ces filières. La forêt offre encore des possibilités pour disposer de plus de biomasse. Une grande partie de la forêt française privée est sous-exploitée et le défi des prochaines années consiste à mobiliser davantage cette ressource. Pour gérer au mieux la forêt et éviter le gaspillage, il faut encourager la complémentarité des usages plutôt que la concurrence entre les acteurs. Il est important d'adapter l'usage de la ressource suivant sa qualité. Pour des raisons économiques et environnementales, l'usage matière reste prioritaire. Une réflexion sur de nouvelles organisations propres à chaque territoire doit être engagée. Pour répondre aux enjeux de l'économie circulaire, préserver la forêt et les multiples services qu'elle nous rend. Merci. Alors l'ADEME est généreuse. Hein. Ce film, comme tous les autres éléments que vous avez pu découvrir depuis hier, est à votre disposition si vous souhaitez l'utiliser. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, elle passe inaperçue là, mais à l'extérieur, il y a une borne sur laquelle, avec une clé USB, vous pouvez télécharger les contributions des intervenants de ces assises et tous les documents en PDF que propose l'ADEME autour du thème de l'économie circulaire. C'est une bande qui est juste là, à côté des desks sur lesquels il y a la documentation. Alors, Sylvie Alexandre, déléguée interministérielle pour la forêt et le bois, vous avez quatre messages à nous porter pour introduire cette exploration de cette filière. Et finalement, vous allez vous rendre compte, et c'est comme ça qu'il faut prendre aussi hein, nos échanges ce matin, que ce que l'on va dire là sur le bois, ça vaudra aussi pour l'alimentation et l'agriculture, ça parle à l'ensemble de l'économie circulaire. Premier point, les ressources. Enjeu d'emploi optimal des ressources. Ça veut dire quoi ? Oui, alors, délégué interministériel, je précise que ça concerne le périmètre du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Et celui du ministère de logement et l'équilibre des territoires et de la ruralité. Donc on est en train de faire un pas vers l'économie circulaire, mais on n'est pas encore arrivé peut-être au bout. Mais enfin bon, c'est juste une précision. Moi je travaille depuis très peu de temps comme déléguée interministérielle, mais toute l'année dernière j'ai travaillé sur deux sujets principaux. Le plan de la nouvelle France industrielle pour relancer l'industrie du bois, qui est un plan qui vise à développer les usages matériaux dans la construction, en particulier dans la construction d'immeubles de grande hauteur en ville. Et puis, l'économie circulaire, précisément, avec deux rapports, un qui a été publié et un qui est en cours d'achèvement. Et dans ces rapports, on dit évidemment que l'économie circulaire, c'est d'abord et avant tout l'emploi optimal des ressources, pour tout un tas de raisons. Les modes de croissance mondiaux actuels ne sont pas durables. Avec la globalisation de l'économie, il faut économiser la planète pour les décennies qui viennent. Et il faut le faire de façon différenciée entre les ressources. Il y a des ressources dont il faut chercher à s'affranchir, les ressources énergétiques fossiles. Il y a des ressources qu'il faut économiser, on parlait du sol, des ressources minérales, minières. Et puis il y a des ressources qu'il faut gérer de façon durable, qui sont les ressources renouvelables. Parce qu'une ressource renouvelable, c'est un potentiel, mais ce n'est pas un acquis. Pour qu'elle soit renouvelable, il faut la renouveler. Et la forêt, c'est exactement le cas. Donc ça nous semble vraiment indispensable et essentiel de différencier le langage selon le type de ressources. Mmh. Très clairement, les ressources renouvelables, c'est l'avenir. Alors, effectivement,
quand on aborde ce sujet-là et quand on regarde ce film, on se dit, youkou, le bois, formidable. Ressources renouvelables, certes, mais à ne surtout pas gaspiller. L'entrée sur l'emploi optimal des ressources, premier point. Deuxièmement, on voit dans le film les multi-usages de la valorisation du bois. Comment vous voyez les choses sur ces différentes filières? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Comment on classe? Quelles sont les priorités de débouchés? Oui, alors on parle d'usage en cascade, on parle de hiérarchie, il y a des tas de rapports là-dessus. Moi, je préfère faire valoir la complémentarité, parce que finalement, c'est le fond du problème, c'est plutôt la synergie entre les différents types d'usages. Il y a différents types de bois pour le matériau, hein, on l'a bien vu dans le film, de bois pour le recyclage, qui va servir à un nouvel usage matériau, à une nouvelle vie du matériau. Il y a aussi différents types de bois pour l'énergie, pour différents types d'énergie. Et dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est articuler correctement ces différents usages. Dans un arbre, on l'a bien vu encore hein, dans le film, tout est lié. Les racines, le tronc, les branches, les feuilles. Quand on le coupe, on a évidemment différents potentiels de produits. C'est ce qu'on appelle le bois lié en langage de forestier. Si vous coupez un tronc, bah, vous aurez des branches, en gros. Certains produits sont plus nobles que d'autres. Ils génèrent plus de valeur ajoutée que d'autres. Et donc, il ne faut absolument pas donner la priorité aux chaînes des valeurs les plus basses, parce que sinon, on gaspille la ressource. Donc, ce qu'il faut, c'est organiser, le film le montre bien, hein, une synergie entre les différents usages, elle est possible. Pourquoi ? Parce que si on veut que la ressource soit renouvelée et pas renouvelable, il faut que cet arbre, une fois qu'il a été coupé, bah, un autre arbre puisse lui succéder. Et ça, ce n'est pas gagné dans les conditions économiques actuelles. Ce qui se passe en général, c'est qu'il n'est pas coupé, l'arbre, puisque précisément, on n'est pas capable de le renouveler. Il faut faire très attention à ça. Donc, il faut développer des chaînes de valeur sur les usages qui génèrent de la valeur, valeur qui va pouvoir remonter en amont. C'est tout le problème des filières de production primaire. C'est de remonter un peu de valeur en amont pour permettre de gérer durablement la ressource. Mieux faire valoir, plutôt faire valoir la complémentarité des usages plutôt que la hiérarchie. Alors, d'autres questions maintenant sur ce que je vais appeler les postures. Cette filière est-elle prête à entrer dans le monde merveilleux de l'économie circulaire? Je vous pose par exemple ce sujet récurrent. Hein. Alors, il ne faut pas que ça devienne une tarte à la crème non plus. Hein. Décloisonner, travailler ensemble, travailler autrement. Comment ça se passe aujourd'hui? Je dirais que ça se passe aujourd'hui bien mieux qu'hier. Moi, je suis de nouveau cette filière depuis une dizaine d'années. Je constate tant dans la sphère privée professionnelle que dans la sphère publique une prise de conscience très nette du fait que, comme disait Madame Kergrès, tout se tient. Et donc, on est vraiment dans un système forêt-bois. Il faut en avoir tout à fait conscience. C'est vrai dans toutes les filières, y compris agricoles, hein, mais la filière forêt-bois, on n'avait pas forcément une structuration qui lui permettait d'appréhender ça. Donc, c'est vrai que ça va mieux, mais on n'est pas au bout. Il faut transformer la manière de voir et de travailler. Et c'est vrai pour, j'allais dire, sur toutes les thématiques. C'est vrai pour les scientifiques, par exemple, pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Il y a des questions pluridisciplinaires qui se posent et elles ne sont pas toujours faciles à résoudre. C'est vrai aussi pour les métiers. Les forestiers, les exploitants, les herboiseurs, les industriels, même les gens qui travaillent dans la promotion immobilière et qui ont envie de faire un immeuble en bois, ben, il va falloir qu'ils se posent la question de la ressource, de l'approvisionnement et de la manière dont on va finalement transformer cette ressource en un bien collectif. Donc cette approche systémique et transversale, elle est facile à réclamer, mais elle est très difficile à faire, à réaliser. Parce que c'est un monde complexe où chacun se spécialise et oublie de regarder le système. Je suis architecte, je dois comprendre mon amont, mon aval, la ressource, comment on va l'utiliser, les meilleures solutions, la R&D. Ouais. C'est par exemple dans le plan de la Nouvelle France industrielle sur le bois, qui est porté par une association qui s'appelle Adive Bois. Cette association, elle comprend des collèges. Et dans ces collèges, vous avez des gens de tous les métiers qui vont justement
faire des réflexions à la fois sur les capacités techniques, architecturales du bois, mais aussi sur les questions environnementales, sur les questions d'approvisionnement, sur les questions de réglementation. Et donc, petit à petit, se dessine une approche beaucoup plus collective par rapport au but qui est de faire progresser le bois dans la construction. Donc, on parle là d'approche aussi en mode projet, collaboratif, et inclure l'ensemble des métiers le plus en amont possible. Mais, facile à dire, compliqué à faire. Hein. Bon. Est-ce que le sujet temps, oh, je suppose, hein, quand on parle d'un arbre et le temps qu'il met à pousser, le sujet temps parle aussi à cette filière ? Oh oui, les forestiers, en tout cas, savent tous qu'on décide pour ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. En revanche, le grand public qui se préoccupe de plus en plus de la question de l'adaptation, de l'atténuation du changement climatique, a peu conscience de ce fait-là. Et pour lui, la forêt représente une sorte de permanence. C'est très important de comprendre l'aspect un peu psychologique des choses et culturel des choses. Or, les cycles forestiers, ils sont particulièrement longs. Ce sont des cycles qui se comptent en décennies, voire en siècles. Avec le changement climatique, par exemple, les aires de répartition des essences forestières vont progresser vers le nord d'environ 500 km en un siècle. Naturellement, par colonisation, une essence peut se déplacer d'environ 50 km en un siècle. Donc on a quand même un tout petit problème, un tout petit. Il faut avoir conscience de ces grandes échelles de temps. Et donc ça veut dire que quand on est forestier, on doit se préoccuper non seulement de satisfaire un marché, d'avoir une forêt en bonne santé, d'avoir une forêt la plus diverse et la plus accueillante possible, avec la meilleure biodiversité possible, mais on doit surtout aussi se poser la question de ce que sera sa forêt dans 50 ans. Et dans 50 ans, les arbres qui vont aujourd'hui croître seront dans un climat totalement différent, et il faut donc se demander s'ils seront capables de résister à ce climat ou s'ils seront dépérissants. C'est donc important de gérer toutes les politiques d'atténuation et d'adaptation de façon conjointe et pas séparée. Très bien. Alors, je vous garde parce que vous allez maintenant être à l'écoute, comme tous, des 5 témoins qui vont nous rejoindre. Et je vous demanderai régulièrement votre commentaire. Le micro est ouvert, vous réagissez quand vous voulez. On va accueillir Mesdames Alric et Duisabeau et Messieurs Perron, Ball et De Reboul. Vous venez vous installer là, s'il vous plaît. Bienvenue. Prenez place. Bonjour. J'ai l'effectif. Très bien. Alors, on va vous entendre, mesdames, messieurs, 8 minutes environ chacun, sur un scénario qu'on a construit pour dérouler les points que nous venons de voir avec Madame Alexandre en introduction. Et puis vous voyez régulièrement à l'écran des petites phrases clés. Hein. Donc par exemple, ce que vous avez dit, Madame, on en a vu quelques verbatim, là c'est intéressant. C'est un bon résumé de ce que l'on entend là ce matin. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec Jean-Luc Perron, qui est directeur du groupement d'intérêt public Ecofor. C'est un groupement scientifique qui travaille sur les intérêts forestiers. Vous êtes un expert dans le domaine. Oui, en fait donc c'est un groupement d'intérêt public et qu'on peut voir comme une interface entre la science et la pratique. C'est peut-être plus facile de le présenter sous cette formule. Alors, question simple à vous poser, parce que maintenant, il faut qu'on évalue le potentiel. Que l'on voit précisément si cette ressource est bien exploitée aujourd'hui, quelles sont les perspectives aussi de cette ressource, et ces questions qu'on va voir avec vous, en quoi on peut optimiser, développer, c'est le titre, hein, une gestion forestière durable. 4 points à voir avec vous. Tout d'abord, comment vous conjuguez renouvelabilité, qui est quelque chose de spécifique sur ce potentiel, et circularité. Comment on peut conjuguer la réalité de cette ressource
avec une approche économie circulaire. D'une part, donc, je dirais que le fait que la forêt soit une ressource renouvelable en soi, ça, c'est un gros avantage par rapport à d'autres matériaux et énergies pour aller vers l'économie circulaire. On a vu qu'il y avait en plus de ça la possibilité de recycler des vieux papiers ou de mieux valoriser des coproduits, ce qui n'était pas fait d'ailleurs autrefois. Donc au cours des 40 dernières années, on a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Mais ensuite, je dirais qu'il y a deux écueils en fait. Pour que la ressource soit vraiment renouvelable, il faut ne pas l'épuiser, en fait. On a des craintes parfois sur certains excès que pourrait faire courir le marché de l'énergie, par exemple, et la volonté de promouvoir les énergies renouvelables. Donc la forêt a souvent été la variable d'ajustement. Or, elle n'est pas dimensionnée à la hauteur des attentes énergétiques, et donc il faut faire preuve de mesure. Donc il y a des excès à éviter de ce côté-là. Et puis, à l'inverse, si on veut qu'elle soit renouvelable et si on veut mieux tirer parti de cet avantage-là par rapport à d'autres matériaux et énergies, il faut l'exploiter à la bonne hauteur. Or, actuellement... pour aller vite, elle n'est exploitée qu'à 50% de son potentiel, c'est-à-dire que quand poussent 90 millions de mètres cubes en forêt, on n'en exploite que 45, par exemple. Cette donnée-là, très importante, hein, donnée mondiale ? Française. Non, France, hein, on parle France. Hein, ouais, on parle France. Ceci donc... dit, le problème serait assez semblable au niveau européen, hein, en fait. D'accord. Alors... je dis opposition, on va voir s'il y a véritablement opposition entre débouchés énergétiques et débouchés construction. Il y aura de la confrontation là après avec nos différents acteurs. Est-ce que l'intensité, je reprends vos termes, hein, est-ce que l'intensité de communication peut se conjuguer, aller de pair avec l'économie circulaire ? Enfin, comment vous voyez les choses du coup ? L'intensité de la gestion donc peut poser un problème en termes d'économie circulaire éventuellement. En tous les cas, ça peut être un excès et ça peut provenir de différentes sources. D'abord, on s'est fixé au niveau énergétique des taux de ressources renouvelables qu'on essaie maintenant de respecter, alors j'allais dire à tout prix, ça peut poser problème, comme je le disais tout à l'heure, la forêt a parfois été une variable d'ajustement. Je dirais il y a une autre façon d'augmenter la proportion d'énergie renouvelable utilisée. C'est non pas en augmentant le numérateur, ça peut être en diminuant le dénominateur, si je puis dire, donc en faisant des économies d'énergie, tout simplement. Et là, le bois permet aussi de faire des économies d'énergie. Alors, ça va jouer moins sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables, mais ça va jouer quand même. Et donc, le bois permet de faire des économies d'énergie en se substituant à d'autres matériaux, notamment dans la construction, l'ameublement, l'emballage, comme on l'a vu dans le film. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bois énergie. On a bien vu la complémentarité des usages, mais il faut éviter les excès. Et puis, penser effectivement qu'il y a... Que le bois, on peut le brûler à tout moment, en fait, ou presque, enfin, si ce n'est qu'il y a les problèmes de produits phytosanitaires, enfin, de produits de protection, de préservation, de traitement, donc qui sont de colle qui peuvent être ajoutés auxquels il faut prendre soin. Mais on peut le brûler à tout moment. Et là, on aura vraiment une complémentarité des usages si on le brûle le plus tard possible. Donc, d'un côté, vous nous dites qu'il y a du potentiel. Et c'est presque un déni de développement durable que de n'être à 50% aujourd'hui. Mais de l'autre côté, vous nous dites gaffe, les amis, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'actuellement, il faudrait plus exploiter la ressource que la conjoncture s'y prête.
mais on a d'ores et déjà peur d'aller vers des excès parfois. Donc ça peut être des excès purement quantitatifs, ça peut être aussi des excès plus locaux, avec des prélèvements localement très importants de l'ensemble des rémanents dont on a vu, de ce qui devrait être des rémanents et qui du coup ne le serait plus, dont on a vu que ça pouvait appauvrir le sol, diminuer la fertilité et donc compromettre la production future. Notre forêt est-elle en bonne santé pour nous offrir ces enjeux-là qu'on fixe? Alors, disons qu'elle est relativement en bonne santé, mais que les risques qu'elle subit apparaissent néanmoins croissants. Alors, ça peut être à travers le changement climatique qui fait peser des risques en matière de sécheresse, d'incendies qui peuvent venir derrière, et aussi des attaques biotiques, donc par les insectes ou les champignons. Alors, ce ne sont pas les seuls risques. Elle est aussi, disons, ces risques-là, on peut les retrouver aussi en dehors du changement climatique, à proprement parler. Et on peut y ajouter aussi les tempêtes, hein, qui ont causé pas mal de dégâts au cours des dernières années. Et également, en matière de risque, il faut regarder l'aléa, la probabilité d'événements, mais il faut regarder aussi la vulnérabilité intrinsèque des forêts. Or, le fait que les forêts ne soient pas exploitées complètement, comme on l'a dit tout à l'heure, fait que le volume sur pied s'accroît et donc mécaniquement, l'enjeu est plus important face au même aléa. Et pas forcément proportionnel, ça peut être plus que proportionnel. Donc on a les risques effectivement bien en tête, et c'est une variable très, très importante pour prendre en compte l'avenir de la forêt. Bah, dites donc, Sylvie Alexandre, c'est complexe là quand même. Hein. C'est bien ce cadrage-là, mais on ne fait pas n'importe quoi avec le bois. Quoi. Non, bien sûr, c'est ça le caractère systémique. C'est que tout se tient, c'est-à-dire qu'il faut développer des politiques en ayant bien soin de préserver le long terme. La forêt, c'est le long terme. L'économie circulaire, c'est le long terme aussi. C'est l'économie de ressources. Donc on est dans un état d'esprit bien plus favorable aujourd'hui avec l'émergence de l'économie circulaire qu'on l'était il y a 10 ou 20 ans, où on était beaucoup plus enclin à réfléchir le court terme. Je crois que ce que vient de dire Jean-Luc est tout à fait important. On a tendance à sous-estimer la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle est liée à l'état de déshérence d'un certain nombre de forêts, dont il faut parler, hein, c'est la vérité, ça. Et puis à la vulnérabilité liée au passage du stress hydrique d'été, à la réserve utile des sols. Il y a un autre type de vulnérabilité qui est plus faible et peut-être en intensité, en volume, mais qui est important. Dans le film, on montre qu'on peut épandre les cendres. Mais les cendres, c'est de la masse minérale. Cette masse minérale, elle a été exportée de la forêt. Et l'épandage, pour le moment, il est agricole. On est en train d'organiser un transfert de fertilité minérale entre les forêts et les terres agricoles. Alors, c'est bien pour les terres agricoles, mais ce n'est pas forcément bien pour toutes les forêts. Il faut absolument que cette question des cendres de combustion soit posée. Et puis en transition avec les questions que j'aurais posées à Françoise Alric, il y a l'autre effet aussi, c'est la captation de carbone des bois de construction. C'est un point important. Votre commentaire là-dessus? Oui, donc ça ne concerne pas que les bois de construction, mais c'est vrai que c'est le secteur important sur lequel on met plus l'accent. Et elle va nous parler de ça après. Et ça n'est pas non plus que la captation. Donc, en fait, en forêt, il y a deux grands modes d'action. Il y a celui qui consiste à séquestrer du carbone en forêt, et on a vu que ça pouvait poser des problèmes de risque, et puis des problèmes économiques derrière, parce qu'il y a toute une activité économique qui est liée à l'exploitation de la forêt. Et puis donc l'autre mode important de gestion du carbone en forêt, c'est celui justement qui intervient dans les produits. Alors on met souvent l'accent sur le stockage, la durée de stockage, c'est quelque chose qui est important, mais peut-être moins que l'effet de substitution, c'est-à-dire le fait d'économiser des énergies fossiles qui seraient utilisées dans la fabrication de produits concurrents auxquels le bois va pouvoir se substituer. Et donc ça, c'est vraiment un effet qui, à long terme, puisqu'on parlait du long terme, va être aussi très important. Françoise Alric, vous confirmez ce point?
Oui, bonjour à tous. Je le confirme complètement. Un mètre cube de bois, c'est un mètre cube de carbone stocké. On a tous ces ratios en tête. Mais effectivement, par la substitution de matériaux, on ajoute, si je regarde mes chiffres, environ 0,7 tonnes supplémentaires au mètre cube dans une construction. Donc on a cet effet-là de stockage qui est immédiat et évident, oui, avec le bois. Alors, je découvre donc qu'il y a une Fédération nationale des communes forestières, et vous en êtes la directrice adjointe. Et Françoise Alric, elle aime bien raconter des histoires et des contes. Et d'abord, une belle image. Après, vous nous parlerez des trois petits cochons. Une belle image, oui, et une belle histoire. C'est vrai que j'ai introduit mon propos en disant... imaginez donc que demain, des chercheurs pleins de génie... mettent au point une ressource qui soit renouvelable, abondante à peu près sur tous les continents, qui capte le CO2 qui pollue notre air, qui filtre l'eau, qui enrichit les sols, qui les stabilise. Attention aux problèmes d'inondation ou d'avalanche. Imaginez que cette ressource soit capable de se transformer en un super matériau pour construire... pour rénover, pour faire des meubles. Imaginez qu'on puisse aussi faire de ce matériau une énergie calorifique, électrique, un isolant. Imaginez que ce matériau soit capable d'avoir une seconde vie, voire une troisième vie, puisqu'on parle d'économie circulaire. Imaginez cela. Si demain, des chercheurs annonçaient cette trouvaille fabuleuse, on dirait, ça y est, on a la panacée universelle et... on va prendre grand soin de cette ressource et de ce matériau. Voilà, c'est une belle histoire à dormir debout, vous allez me dire. Eh bien non, vous avez tous compris que c'est la forêt et le bois. Et ouais. Sylvie Alexandre me disait tout à l'heure, on a ce trésor sur notre planète et en fait-on l'usage et en prend-on le soin qui serait nécessaire en fait. Voilà, oui, c'est le bois. Alors, opportunité à saisir, mais on ne fait pas n'importe quoi. Avec le bois. Donc, je parlais des belles histoires. Et le syndrome des trois petits cochons, c'est quoi ? Le syndrome des trois petits cochons, c'est si effectivement on découvrait aujourd'hui toutes ces qualités du bois, on trouverait ça formidable et on dirait c'est le matériau du futur. Sauf qu'on utilise le bois depuis toujours pour se chauffer, pour se protéger, pour utiliser les produits de la forêt et sa biodiversité. Donc, dans notre tête, c'est un petit peu un matériau du passé. C'est la bûche dans la cheminée, c'est la maison bois des trois petits cochons qui n'est pas solide, qui ne tient pas le coup. Le moindre coup de vent la détruit. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, le bois, c'est un matériau passéiste. Mmh. Et bien au contraire, c'est un matériau avant-gardiste. Alors, matériau avant-gardiste, où en est-on de la R&D dans le domaine, appliqué à la construction ? Et est-ce que, puisqu'on parle là... en le disant, mais on parle là de filières locales, est-ce que ça se développe bien, quoi ? Est-ce que sur le terrain, on a des bonnes filières qui se mettent en œuvre ? Est-ce que c'est réellement un matériau du futur ? Moi, je rejoins les propos des uns et des autres et de Sylvie Alexandre. C'est vrai que je pense que depuis quelques années, la filière forêt-bois est dans une effervescence qu'elle n'avait certainement pas connue depuis longtemps. Il y a effectivement la feuille de route de la Nouvelle France industrielle, il y a le comité stratégique de filière, il y a le programme national forêt-bois qui va découler de la loi d'avenir de l'automne dernier. On a une filière qui se met en marche, qui est en phase de prise de conscience. On a des démarches, pour revenir à votre question, très importantes sur l'utilisation des bois locaux. Encore une fois, voilà, vous voyez défiler un extrait du discours du président de la République à Milan qui conclut que le bois est vraiment le matériau du futur et propre à l'économie circulaire. Et vous voyez ce magnifique bâtiment. Aujourd'hui, la R&D est en marche sur le bois. Ce sont les établissements Simonin du Jura, du secteur de Morteau, qui ont un bureau d'études. Eh bien, il n'y a pas de mystère, un bureau d'études de la R&D, de la recherche, du développement. Ça veut dire des capacités à imaginer de nouveaux systèmes constructifs et à faire que la construction bois soit une construction moderne. Voilà. Tout à fait. Je reviens vers vous, Sylvie Alexandre. Objectivement, est-on au rendez-vous sur le déploiement de ces filières ? Est-ce qu'il n'y a pas des freins ? Est-ce qu'on n'est pas un peu timoré, par exemple, sur,
l'utilisation de telles ou telles essences, où sont les sujets à débloquer? Non, objectivement, on a beaucoup de terrain à regagner. On a un déficit commercial bois chaque année qui est d'environ 2 milliards d'euros. C'est l'équivalent de tous les sciages qu'on ne produit pas chez nous ou que de tous les produits de construction en bois qui sont fabriqués à l'extérieur et qui le sont parfois avec des grumes qui viennent de France. Ouais. On a un appareil de transformation qui n'est pas à la hauteur de la demande et c'est pourquoi on a ce déficit. Donc on a un enjeu industriel et là on rejoint la question de l'économie circulaire. Si on veut gérer durablement les forêts, il faut avoir un appareil industriel de transformation qui permette de valoriser le matériau qu'on a dans nos forêts. Ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et comment on fait ça? On fait ça en générant une demande de construction auprès des collectivités, des aménageurs, vu le programme des 100 communes forestières, mais il y a aussi les grandes villes qui ont envie de construire en bois. Je vous invite à regarder sur le site de l'association Adivbois, www.adivbois.org. On a fait le 6 novembre une assemblée générale constitutive. Il y a eu un film qui montrait les réalisations existantes ou en projet dans le monde sur des immeubles à structure bois. Et c'est absolument passionnant, fascinant de voir la créativité qui peut être permise par l'architecture. Jean-François Caron, ici, conseiller régional Nord-Pas-de-Calais, nous disait que ces peupliers du Nord-Pas-de-Calais étaient abattus, partaient en Chine pour être transformés et revenaient pour construire des halles de sport. Et ils ont mis en place leur filière pour dire bon, on doit transformer ici. Quoi. Ça, c'est de l'économie circulaire. Alors ça, c'est votre boulot, justement, vous. C'est notre boulot. C'est-à-dire que notre fédération, c'est une fédération d'élus. Un élu, il est au contact du terrain. Et la transversalité, je dirais que c'est son ADN. Donc, mettre en musique le bien-être des habitants du territoire, développer l'économie et avoir un rôle social important, bon, c'est vraiment les critères fondamentaux de son mandat et de son travail de tous les jours. Donc, notre fédération est imprégnée de ce type de politique. Et nous avons mis en place un programme qui est à mi-parcours, hein, 2012-2017, qui s'intitule « Sans construction publique en bois local », parce qu'effectivement, un des premiers freins, c'est un problème de communication. Il faut prendre conscience et faire prendre conscience à travers la commande publique que le bois qu'on voit à travers nos fenêtres peut demain devenir un matériau de construction efficace. Il faut faire prendre conscience que c'est en utilisant les bois des massifs forestiers français qu'on développera sur les territoires de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. Mmh. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc on développe ce programme avec ces objectifs-là, avec une boîte à outils. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de bâtiments, 60-70, qui répondent à ces critères, qui nous ont permis de construire une boîte à outils à destination des collectivités et pour faire leurs bâtiments, pour lever des tas de freins, notamment de freins juridiques, de ne pas pouvoir mettre dans un appel d'offres public la notion géographique du bois local. Donc on travaille ce point-là. Aujourd'hui, on va construire, la deuxième table ronde va évoquer du champ à l'assiette le champ de l'alimentation, et donc le ministère de l'Agriculture a édité un guide sur les circuits de proximité pour la restauration collective. Mmh. Eh bien, nous souhaitons, et nous avons eu la validation de Stéphane Le Foll sur cette question, mettre au point un guide sur l'utilisation en circuit de proximité, circuit court, des bois locaux, de la même manière. Faut faire bouger les lignes, quoi. Il faut faire bouger les lignes, bien sûr. Pour arriver. Alors, je note, parce que cet après-midi, j'ai un atelier sur la commande publique. Je poserai votre question. Le match, maintenant. Anne-Louise Abbeau et Jean-Louis Ball, des utilisations et des débouchés. Tiens, vous prenez le micro et juste avant, en introduction, Sylvie Alexandre, dans le match. Y a-t-il concurrence de débouchés? Enfin, est-ce qu'on doit tordre le cou à débouchés énergie, débouchés transformation? Oui, écoutez, c'est simple. On a mis en place une politique énergétique qui est puissante, avec des leviers économiques qui sont forts. Il y a un fonds chaleur, il y a des obligations de rachat d'électricité renouvelable issue de biomasse, il y a des appels d'offres de la CRE. Tout ça, ce sont des leviers économiques absolument actifs et efficaces.
Donc évidemment que dans un pays où une grande partie de la ressource forestière n'est pas accessible au marché, tout simplement pas accessible au marché, parce qu'il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de place de dépôt, il n'y a pas de système économique, de logistique, de chaîne logistique, il est évident que cet appel d'air va avoir des conséquences sur les industries de la filière qui, elles, sont dans un marché mondialisé où les groupes industriels font des choix de localisation de leurs outils en fonction d'une comparaison entre les différents sites. Donc évidemment qu'il y a une question tout à fait importante de politique publique à poser là, évidemment. Alors, les industriels, comment vous voyez les choses? Quel est votre métier, Anne Duisabot, directrice générale de Chronofrance? Bonjour. Écoutez, nous sommes une Prenez société... Prenez le micro. Pardon. Approchez-le. Non, merci. Il faut l'approcher. Ok. Nous sommes une société basée dans le Loiret. Nous fabriquons des panneaux de bois à destination principalement de l'ameublement, de la construction, également de l'emballage. Nous utilisons à peu près 1 200 000 tonnes de bois par an. À peu près 60% est issu de la forêt, mais comme vous avez pu le voir dans le petit film très bien fait tout à l'heure, on voit qu'on utilise également beaucoup de produits et de sous-produits des industries de première et deuxième transformation qui nous donnent une matière première qui est nécessaire aussi à la production de nos panneaux. Aujourd'hui, comme Madame Alexandre a très bien introduit le débat, nous sommes dans une situation de tension sur les marchés. Vous avez vu dans le film que la difficulté majeure, c'est qu'effectivement, il y a du bois en forêt. Tout le monde l'a expliqué, tout le monde en est convaincu. Tout le monde est convaincu du fait que c'est un produit super, qui stocke le carbone, qui a plein d'avantages. Mais la difficulté majeure des industriels comme nous, des industriels comme nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la mobilisation du bois. C'est comment mobiliser faire sortir la ce ressource. Bois sur le marché. Comment faire que sur le marché, plus de bois arrive de façon à alimenter à la fois la filière bois matériaux, qui a son rôle, et la filière bois énergie. En tant qu'industriels, nous sommes foncièrement convaincus du bois énergie. Nous avons tous d'énormes chaudières qui nous permettent de brûler nos écorces, nos déchets, d'alimenter nos séchoirs ou nos presses en énergie. Aujourd'hui, sur mon site, 70% de mon énergie est une énergie issue du bois et de mes sous-produits de production. La difficulté, c'est qu'on se dispute en clair tous le même morceau de bois aujourd'hui. Et quand on regarde les statistiques, malgré cette politique bois-énergie qui effectivement crée une demande, qui crée sur le terrain une demande avec un pouvoir d'achat qui est lié à plein de règles, on se rend compte que le bois ne sort pas plus. Ces 3 dernières années, vous regardez les productions, c'est stable, voire décroissant. Donc ça, c'est un problème majeur. Alors ça, c'est pas de l'économie circulaire, pas bien. Voilà. C'est justement qu'est-ce que vous demandez ? Comment faire pour mettre en mouvement aujourd'hui l'économie circulaire sur le bois ? C'est s'attaquer à ce sujet-là. Comment ? Et Madame Alexandre le citait tout à l'heure, aujourd'hui, les difficultés majeures sont sur la mobilisation, chaîne logistique, exploitation, accessibilité aux parcelles, structuration de la forêt. Aujourd'hui, la conséquence majeure pour des industries du bois comme les nôtres, c'est une augmentation de nos prix de revient. Non pas parce que la matière elle-même augmente, ça c'est normal, vous avez une offre sur le marché, c'est l'offre et la demande, ce qui est rare et cher, ce qui n'est pas rare et pas cher, c'est général. Mais les coûts aujourd'hui de mobilisation explosent. Un exemple encore, sans vouloir parler toujours de moi, mais une usine comme la nôtre, 1 250 000 tonnes de bois, 200 camions de bois par jour, nous avions un rayon d'approvisionnement de 150 km, ce qui est tout à fait correct. Aujourd'hui, nous sommes à 250-270 km. Donc forcément, on va utiliser plus de camions, on va utiliser plus de gasoil pour les faire tourner. Malheureusement, ça, ce n'est pas très positif non plus dans l'économie circulaire. Vous êtes dans le Loiret. Oui, c'est tout à fait, la région centre. Alors, vous avez le massif de la Sologne qui est à nos portes, mais nous allons dans le massif central, nous allons dans la vallée de la Loire, nous allons dans le Limousin aujourd'hui chercher du bois. Pas bien, Sylvie Alexandre. Non, pas bien. Alors, on fait quoi ? Je confirme. Alors, c'est une longue histoire. Hein. En 1947, l'État a créé un fonds, le Fonds forestier national. Mm-hmm. Le Fonds forestier national, il était là pour aider les propriétaires sylviculteurs à améliorer. À l'époque, on disait améliorer la forêt. Vous voyez, la gestion forestière, c'est du temps long. Il faut remonter à 1947. Dans les années 80, ce fonds forestier, pour des tas de raisons, a plutôt baissé ses aides à l'investissement. Et puis, il s'est arrêté dans les années 2000. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous êtes propriétaire, y compris quand vous êtes une commune forestière, hein,
Si vous êtes un propriétaire avec une forêt au-dessus de 25 hectares, on va dire, donc une forêt qui a un plan de gestion, un plan simple de gestion, eh ben, vous avez une petite tendance à vous demander quel rapport vous allez avoir entre votre bénéfice, si vous coupez, et vos charges pour reconstituer votre forêt. Vous avez des problèmes d'investissement. Il faut que vous refassiez, par exemple, les chemins d'exploitation, ou il faut que vous organisiez une place de dépôt pour vos bois, ou il faut que vous refassiez votre réseau de drainage. C'est très important, hein, le drainage, parce que le réseau, ça doit s'entretenir. Et si le drainage n'est pas bon, les arbres commencent à dépérir. Tout ça, ça coûte, mais ça rapporte évidemment pas. Si, quand vous faites votre calcul, le fait de couper votre bois ne vous permet pas de reconstituer la forêt dans des conditions correctes, eh bien, c'est très simple, vous ne coupez pas votre bois. Et c'est ce qui se passe dans une grande majorité de situations. Le consentement à offrir est particulièrement difficile. Vous avez aussi le problème de la gestion du gibier. Si vous êtes obligé de mettre des clôtures pour régénérer votre parcelle, parce qu'autrement, tous vos arbres sont complètement abrutis, eh bien, ça vous coûtera tellement cher que vous ne le faites pas. Donc, on est là dans une question vraiment de système. À preuve d'ailleurs, l'ADEME a débloqué un fonds pour la mobilisation des bois pour le bois énergie, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, tout le monde, tous les acteurs ont convergé sur l'idée que si on voulait desserrer la contrainte, il fallait augmenter l'offre. Et augmenter l'offre mobilisable, ça veut dire équiper et desservir en grande partie. Donc, le système est à mettre en place. Oui, enfin, il y a des tas d'outils de politique forestière qui existent. Hein. On a créé des défiscalisations pour les investissements forestiers. Mais si vous voulez, il y a des questions d'ajustement des outils, de leur intensité, les uns par rapport aux autres. Quand on aura un système qui sera correctement dimensionné de tous les côtés, on pourra avoir une vraie hiérarchisation, une vraie possibilité de chercher la valeur ajoutée là où elle est vraiment. Alors, ça vous rassure pour... que la boucle puisse exister, que vous puissiez vous développer. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui de ces difficultés sur les marchés et on essaie de trouver des solutions et de mettre en place des outils pour limiter l'impact sur notamment la filière bois-matériaux. Il est évident que du côté de l'industriel, si l'industriel n'a pas une visibilité sur sa matière première, il ne pourra en aucun cas investir. Les investissements sont également des investissements à long terme, ce sont des industries assez capitalistiques. Donc aujourd'hui, sans vision réelle sur les marchés, il sera très difficile d'investir et de continuer à pérenniser et d'être compétitif vis-à-vis de nos voisins. Vous avez cité tout à l'heure, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, tous ces pays qui aujourd'hui ont une grosse industrie du bois et de la transformation du bois. Alors, quel est votre point de vue là-dessus, Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables, sur le bois énergie? Même problème, même phénomène sur la ressource, la mobilisation de la ressource et sa transformation? Alors oui, même constat. Maintenant, je voudrais quand même dresser un tableau un peu complet de... Non, répondez à ma question d'abord. Eh bien, on est sur le sujet, là, dans le dur. Hein. Allez-y. Je vais y arriver, parce que c'est justement un des obstacles auxquels se heurte aujourd'hui, donc le développement... dans les usages collectifs et industriels du bois énergie, donc qui est très bien financé aujourd'hui par le fonds chaleur. Et après 5 ans de développement, il faut le dire, assez spectaculaire, hein, à peu près 800 installations de biomasse collective ou industrielle ont été financées, qui représentent 1 million de tonnes équivalent en pétrole, pour faire des chiffres ronds. C'est spectaculaire, mais on voit aujourd'hui une difficulté à faire émerger de nouveaux projets. Et il y a deux raisons à cela. Une qui n'a rien à voir avec l'approvisionnement, qui est les faibles coûts des énergies fossiles et l'absence de signal prix sur le CO2. Le prix du pétrole n'est pas votre ami. Ouais. Donc, pas de taxation du CO2 aussi. Ça, c'est un problème. Sans taxation du CO2. D'ailleurs, on ne fera jamais de transition énergétique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est qu'effectivement, on se heurte aujourd'hui aux questions d'approvisionnement, donc à la difficulté d'approvisionnement des grosses chaufferies en plaquettes forestières. Et à ce sujet, donc, il faut
souligner donc cette initiative de l'ADEME d'avoir lancé ce qu'ils ont appelé l'AMI Dynamique Bois, qui, semble-t-il, on n'a pas encore les résultats officiels, a rencontré un très grand succès. Et c'est effectivement donc les projets qui ont été présentés qui ont pour objectif de fournir de l'approvisionnement en bois pour des usages énergétiques, mais avec beaucoup de sagesse, l'ADEME a donné une priorité sur les stratégies, comme ils ont appelé, donc gagnant-gagnant, mm-hmm. c'est-à-dire qui combinent les différents usages, donc bois matériaux, bois d'œuvre et bois énergie. Mm-hmm. Et donc, bon, on aura très prochainement, donc en septembre, on devrait connaître les résultats, mais il y a une vraie dynamique qui a été enclenchée donc par l'ADEME au travers de ce fonds chaleur pour lequel donc une partie de l'enveloppe est consacrée à ces projets donc de structuration de l'approvisionnement et qui d'ailleurs concerne également l'amélioration des peuplements forestiers. Donc c'est le sujet donc abordé par Sylvie tout à l'heure. Ouais. Hein, alors c'est très clair ce que vous dites tous les deux. Sylvie et Alexandre, à ce stade, il y a un truc que je ne comprends pas. Ouais, mais c'est un gros truc. Le secteur forestier a tout, vous nous l'avez très bien dit tout à l'heure, pour développer rapidement de l'économie circulaire. C'est localisable. Il y a une ressource, il y a de la R&D, il y a des besoins, des demandes. Bon. Là, M. Ball est en train de nous dire, moi j'ai 800 installations biomasse, mais je suis au bout de l'histoire, quoi. Je peux pas franchir des marches supplémentaires. Alors, il nous dit, le prix du pétrole est mon ennemi, il faut taxer le CO2, ok, ça c'est des facteurs exogènes, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, pour... C'est un terrain de jeu rêvé, et on n'est pas dans ces logiques-là. Ils sont en train de m'exprimer tous des freins. Et peut-être que M. de Reboul me dira la même chose. Je ne sais pas ce que dira M. de Reboul. On va le laisser peut-être s'exprimer. Moi, je crois qu'il faut souligner quand même la grande responsabilité du secteur du bois énergie. Parce que moi, je suis ces travaux depuis leur émergence. Hein, et je vois que les professionnels du bois énergie sont des gens qui sont consciencieux, qui traitent les problèmes là où ils se posent, qui réfléchissent, qui essayent de trouver des solutions. Je donne un exemple, la sortie du statut de déchet pour les bois d'emballage. On est bien dans des problèmes d'économie circulaire. Eh bien, l'année dernière, il y a eu une démarche collective de la filière bois-énergie pour faire sortir du statut de déchet des produits qui étaient dans une nomenclature qui obligeait à les incinérer, en clair, de façon à pouvoir les utiliser en combustion. C'est très important, ça, évidemment, la question environnementale, hein, la question des effets environnementaux. On a des gens qui sont des professionnels attentifs aussi à la ressource. Donc, je voudrais signaler ça parce qu'il ne faut pas être dans une logique d'opposition, il faut être dans une logique de synergie. Et c'est vraiment un problème presque culturel. Moi, je me souviens que quand il a été question au début de l'idée que l'ADEME allait pouvoir financer de la mobilisation, ce que l'ADEME ne faisait pas, eh bien, il y avait des réticences de tous les côtés. Mais comment ? C'est pas notre sujet. Mais comment ? Pourquoi c'est à nous de le faire ? Etc., etc., etc. Donc, les faits sont têtus. Il y a des besoins. Après, il faut adapter les outils à ces différents besoins. Plutôt que de se disputer entre titulaires des différents outils, il vaut mieux essayer de faire un tour de table et puis de voir comment on optimise les outils. Je pense que sur la question du financement, il y a probablement encore des outils publics-privés qui ne sont pas du tout encore aboutis, mais sur lesquels on peut réfléchir. Oui. Jean-Louis Ball. Oui, je voulais d'abord remercier Sylvie Alexandre pour reconnaître le sérieux des professionnels du bois énergie. Vous en avez sous le pied. Hein, et je voulais donner un autre exemple. Si on parle de la principale utilisation du bois sous forme énergie, c'est quand même dans le secteur de l'habitat individuel. Aujourd'hui, donc, on a, suivant les estimations, de l'ordre de 7 millions de foyers qui se chauffent encore totalement ou partiellement au bois au travers de poêles, d'inserts,
ou de chaudière. Et donc les professionnels ont mis en place un label qui s'appelle Flamme Verte et qui fait la promotion à la fois de la performance de l'appareil en rendement énergétique, mais également donc en réduction des émissions, parce qu'il faut bien reconnaître que la combustion du bois, ça peut avoir des émissions qui peuvent être négatives, notamment en termes de particules dangereuses pour la santé. Et donc, cet outil a été mis en place et avec des exigences qui augmentent chaque année. Et le résultat, quand on regarde ça sur la question de l'approvisionnement en bois, c'est que les 20 millions de mètres cubes qui sont nécessaires pour approvisionner ces appareils de chauffage, eh bien, ça n'augmente pas, malgré l'augmentation du nombre d'appareils. Donc, on a probablement une tendance à aller d'ici à 2030 vers 10 millions de foyers qui seront équipés de chauffage au bois, et en couplant donc à la fois l'amélioration des rendements des appareils et l'isolation des bâtiments qui sera de meilleure qualité, eh bien, on va pouvoir approvisionner ces 10 millions de foyers avec la même quantité du bois qui sera sorti de la forêt. Alors, l'homme de la synthèse, Louis de Reboul. Non, parce que vous nous avez amené 2-3 chiffres qui éclairent ça aussi, hein, c'est entre complémentarité, entre valorisation énergétique et transformation. Président de la branche palette et bois à la Fédérec. D'abord, avez-vous un commentaire sur ces sujets qu'on a bien pointés là ? Oui, j'arrive à la fin, effectivement, parce que nos entreprises du recyclage et de la valorisation, en fait, sont bien le dernier maillon qui permet de boucler ce cycle vertueux. Nos entreprises aujourd'hui, effectivement, connaissent des difficultés comme toutes les entreprises, mais des opportunités aussi qui leur permettent de valoriser, en gros, les 6 millions de tonnes de déchets de bois, chiffres sur lesquels on peut s'accorder, sont actuellement en train d'être affinés par l'ADEME et le FCBA. En tout état de cause, 6 millions de tonnes, c'est bien un chiffre sur lequel qu'on peut considérer comme étant le volume annuel de bois issu des activités en fin de vie. Aujourd'hui, ce qu'on constate effectivement, c'est que la difficulté de valorisation de ces produits, c'est que à l'origine, ils n'étaient pas conçus pour être recyclés, et que l'éco-conception, ce sont des éléments qu'on regarde aujourd'hui. Malgré tout, les bois en fin de vie sont, pour la partie des meubles, des éléments qui ont 25 ou 30 ans, les boîtes de construction qui ont peut-être plusieurs siècles. Donc ça pose des problèmes, effectivement, de contenu chimique, de contenu des organogénés, des métaux lourds, qui font que ces produits-là ne peuvent pas être utilisés dans n'importe quelle industrie. Néanmoins, nos activités, effectivement, essaient de respecter la hiérarchie des modes de valorisation. Et nos premiers clients sont, en France et dans les pays limitrophes, les fabricants de panneaux de particules, qui nous permettent de valoriser 90%, 95% des bois de recyclage. Alors, ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'en France, ce qui a été dit dans le film, c'est qu'aujourd'hui, les fabricants de panneaux, je ne sais pas si Anne Usabeau me contredira, mais aujourd'hui, les fabricants de panneaux en France utilisent 30% dans leur mix produit de bois de recyclage, alors que les opérateurs limitrophes en Allemagne, en Italie, en Espagne sont entre 60 et 100% de bois de recyclage. En gros, ça veut dire que nous valorisons à peu près 3 millions, entre 3 et 4 millions de tonnes de bois, et il y en a 1 100 000 tonnes qui sont utilisées par les fabricants français, et à peu près le même tonnage qui est utilisé par les fabricants de panneaux, qui utilisent plus de bois de recyclage dans le mix produit. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit une utilisation grandissante. Les industries du panneau ont commencé à faire du recyclage dans les années 95, à peu près, je pense, c'est ça, Anne. Et ils ont investi des outils industriels capables d'arriver progressivement à utiliser ces produits qui sont, on peut le dire, quand même adjuvantés. On parlait de colle, de produits de préservation,
et ça demande des investissements très importants de leur part pour permettre d'augmenter ces taux de recyclage. Donc si je comprends bien, vous avez besoin d'un appel d'air sur les gisements non captés. Pour surtout, enfin vous, votre message, c'est préserver la complémentarité, c'était à l'écran il y a quelques secondes, oui, ça va alors, revenir, entre Valo matière et Valo énergétique. Nous, on a besoin d'avoir des clients qui l'utilisent comme matière première et qui soient encore là dans quelques années. Malheureusement, l'outil industriel, enfin l'industrie en France, on voit, elle est plutôt en déclin. On voit pas, il n'y a pas eu de nouveaux investissements dans les usines de panneaux depuis 15 ou 20 ans. On voit des sites qui ferment. Notre inquiétude, c'est où seront nos clients ? Préservons nos clients. Ils sont sur des marchés de valorisation qui sont très tendus. Le marché de l'ameublement, ce n'est pas un marché qui explose. Le marché de la construction, avec les signes d'espoir, permettra certainement de valoriser des éléments de structure, des panneaux, des matériaux composites. On peut espérer qu'ils resteront. Mais en gros, en France, il y a 5 grosses usines du type de celles que dirige Anne Duisabot. Mais ça reste assez faible, en fait. On est au début de l'histoire. Et effectivement, on continue à faire des kilomètres, des centaines de kilomètres pour approvisionner ces usines. Après, effectivement, on essaye aussi de trouver de nouvelles applications sur peut-être des matériaux composites qui pourraient utiliser des bois de recyclage, mais on en est aux prémices aujourd'hui. D'accord. Très bien. Alors, il nous reste 14 minutes là jusqu'à la pause. On va donner la parole à la salle. Je vais demander à la régie, est-ce que vous pouvez me recaler la fameuse définition ? Vous savez, celle qu'on a présentée au début. Et puis, on va la regarder ensemble. On est au début de l'histoire, là, sur cet univers du bois. Vous allez me dire si vous vous sentez à l'aise avec ça pour son déploiement. Et je donnerai d'abord la parole aux industriels. Hein. Vous me direz clairement ça. Alors, on donne la parole à la salle. Qui veut réagir, poser une question, commenter, monsieur, et après monsieur, là-bas. Monsieur, signalez-vous. Voilà. Ah, mais il y a des gens là-haut aussi. Bonjour. Oui, on parle d'économie circulaire avec beaucoup de paramètres qui sont intéressants, mais je ne vois pas beaucoup le paramètre santé. Or, la filière bois, comme d'autres filières, peut aussi créer des nuisances pour la santé. Mmh. Si on recycle, ça veut dire qu'on assemble. Si on assemble, ça veut dire qu'on utilise des colles. Donc je voudrais savoir quelles sont les colles, quelles sont les protections pour la santé de ces colles qui se retrouvent dans nos mobiliers. Ensuite, effectivement, le bois brûlé provoque aussi certains polluants comme les particules fines ou certains composés organiques volatiles. Je voudrais aussi savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour éviter ces nuisances pour la santé. Merci. C'est le dernier élément de la définition, mettez-la à l'écran, tout en permettant le bien-être des individus. Alors, Mme Duisabot, vous l'attendiez celle-là, hein ? Bien sûr. On en rajoute une couche. Hein. Donc sur la partie colle, effectivement, les résines utilisées contiennent du formaldéhyde. Prochaine micro. Contiennent du formaldéhyde et c'est un sujet qui aujourd'hui n'a pas manqué d'échapper à tout le monde. C'est un produit qui est jugé comme cancérigène. L'industrie du panneau a quand même une attitude très responsable vis-à-vis de ça. Depuis ces 20 dernières années, nous utilisons des colles low emission, c'est-à-dire des colles avec des quantités de formaldéhyde qui sont en constante baisse. Nous avons diminué par plus de 55% les quantités de formaldéhyde par rapport à il y a 15 ans. Maintenant, la difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés, c'est des solutions de substitution. Donc nous avons lancé des études pour trouver des substituants, soit à partir de tanins, toujours du bois, mais des colles issues de tanins, soit à partir de produits issus de protéines animales. Donc des projets sont en cours, des études universitaires sont en cours, on arrive sur des tests aujourd'hui laboratoires, nous ne sommes pas encore en phase de tests industriels, mais on pense que d'ici 4-5 ans, on devrait réussir à avoir des solutions qui permettraient d'éradiquer le formaldéhyde de nos liants. Mmh. Sur okay. La partie bois combustion. D'accord. Oui, rapidement, oui. M. Roboul. Sur la combustion du bois, moi, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, donc concernant l'utilisation donc, dans l'habitat individuel, il y a ce label flamme verte, d'ailleurs dont les critères correspondent à ceux du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les particuliers. Et donc, les nouveaux matériels installés, aujourd'hui sont
beaucoup moins polluants. Et quand on parle de réduction en termes d'émissions de particules ou d'émissions de CO ou de COV, c'est des facteurs 15 ou 20 par rapport aux appareils qui existaient auparavant. Et l'objectif qui doit être poursuivi, c'est de remplacer progressivement tous les appareils anciens qui sont effectivement assez polluants et de les remplacer donc par des appareils neufs. Et là, je dois un peu regretter l'évolution du crédit d'impôt parce que les années précédentes, le crédit d'impôt accordait un pourcentage supplémentaire pour du renouvellement d'appareils, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ouais, donc tout ouais, est uniformisé. Mais par ailleurs, alors je rappelle que ce label Flamme Verte, il a été mis au point conjointement par l'ADEME et les professionnels. Et donc, l'ADEME, dans certaines régions, on a commencé donc dans le pays de Larve, la vallée de Larve, pardon, promu et financé des opérations donc de systématique de remplacement d'appareils anciens par des appareils nouveaux. Je pense que ce genre d'opération va se réaliser dans d'autres régions que la vallée de l'Arve. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, pour aller très rapidement, sur les grandes chaufferies, celles qui sont financées par le Fonds Chaleur, les exigences en termes d'émissions de polluants, de PM25. Elles sont extrêmement très élevées et elles sont surveillées. Il y a donc des mesures qui sont faites régulièrement. Donc, voilà, et donc la santé est effectivement bien prise en compte. Une mission parlementaire qui se balade actuellement pour mesurer tout ça en France. Oui, je pense que c'est une question qui est très importante. Nous-mêmes, qui sommes collecteurs des déchets, on apporte une vigilance particulière au contenu des produits que nous manipulons et que nous remettons sur le marché comme matière première secondaire. C'est vrai que ces matériaux contiennent des métaux lourds et des produits organologénés. Alors, à des taux en fonction des produits, qu'on parle de la traverse de chemin de fer ou du meuble, effectivement, les taux sont différents. Malgré tout, nous sommes contraints de les mesurer et nous travaillons avec nos clients qui eux-mêmes font des mesures pratiquement en continu sur la composition des bois de recyclage. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes très vigilants. D'accord. Alors, pour la combustion, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que les grosses installations sont sous contrôle. Il y a eu des modifications de la réglementation en 2013 et 2014, Monsieur Balladier, sur tout ce qui est émission, enfin tout ce qui est à la fois à l'entrée et à la sortie. Donc on est contrôlé à la fois à l'entrée des produits et à la sortie au niveau des fumées et au niveau des cendres. Malgré tout, effectivement, je pense que c'est un sujet qu'il faut pas avoir peur d'aborder, c'est qu'il y a à la marge et sur des tonnages qui ne sont pas forcément négligeables, des utilisations entre guillemets frauduleuses de ces déchets dans certaines installations qui ne sont pas contrôlées et qui peuvent effectivement apporter quand même un point noir à la situation qu'on est en train de décrire. L'équation économie circulaire doit prendre en compte cette donne santé, enfin voilà des éléments de réponse. Il y avait une autre. Monsieur, là. Faites signe, on va vous donner le micro. Ah, j'ai oublié de demander de vous présenter, monsieur. Vous vous présentez ? Oui, bonjour, Daniel Calugnac. Je viens de l'Isère et de la vallée du Cosivaudan, qui est entourée de massifs, sur lequel il y a beaucoup de propriétaires forestiers. Vous avez évoqué ce problème-là. Ce sont des propriétaires, donc, qui propriétaires du terrain et propriétaires de cette ressource qu'ils n'exploitent pas parce que ce n'est pas leur métier. Et ils ne voient pas l'intérêt. Alors, ma question, elle était un peu brutale, mais ne pourrait-on pas séparer le fait d'être propriétaire de terrain du fait d'être propriétaire d'une ressource ? Ah. C'est-à-dire, est-ce que dans les lois, on pourrait imaginer de séparer ces deux fonctions qui n'ont rien à voir ? Merci. Oui, alors ça, c'est une question très, très intéressante. C'est la question des biens publics, hein. Finalement, quand on est détenteur d'un bien, propriété privée, si ce bien peut avoir un intérêt général, quelle est la marge de manœuvre entre sa propre volonté et celle de la collectivité ? Bon, pour le moment, le droit français ne fait pas cette distinction, hein, quand le droit de propriété est un droit inclusif, sauf pour le sous-sol. D'autres droits, le droit anglo-saxon, le droit américain par exemple, sont un petit peu différents. Ils comportent des compartiments.
mais pas le droit français. Alors c'est une question, j'allais dire, pour le Conseil d'État ou pour le Conseil constitutionnel, ça. Hein, c'est pas une question pour nous. En fait, c'est la loi qui organise les limites à la propriété privée, comme toujours. Hein. Donc la loi, elle donne aux propriétaires forestiers un certain nombre d'obligations, en particulier quand il est propriétaire d'un domaine forestier suffisamment considéré comme suffisamment vaste pour être gérable. Et elle lui donne en particulier l'obligation d'un plan de gestion. Alors ça, c'est une question pour le ministère de l'Agriculture qui est peut-être dans la salle. On ne peut pas trop s'éterniser sur ces questions-là. Mais vous avez raison, une des solutions du problème est très probablement dans les liens qui existent entre la puissance publique et le propriétaire qui a des droits, mais qui a aussi des obligations. Très souvent, les plans de gestion, il faut le dire, ne sont pas appliqués. Quelquefois, d'ailleurs, les aménagements de communes forestières ne sont pas non plus tout à fait appliqués. Quelquefois, d'ailleurs, les aménagements de forêts domaniales non plus ne sont pas appliqués pour des tas de raisons, parce qu'il y a des réticences au changement, parce qu'il y a le fait qu'une coupe forestière est toujours considérée comme un traumatisme dans le paysage et pour les voisins, en particulier en région parisienne. Qu'est-ce qu'en disent, Françoise Arélique, vos communes forestières? C'est une question qui revient souvent, la question de la propriété privée, de ces propriétaires dont ça n'est évidemment pas le revenu, qui sont loin de leur forêt, qui ne savent pas comment s'y prendre. On fait une coupe tous les 20 ans ou 30 ans, parfois quand on a une petite propriété. Donc on a bien cette notion de la puissance publique et de la puissance publique de proximité, qui est le maire, qui joue souvent un rôle important. Et si la loi, effectivement, ne dissocie pas la propriété de la gestion et de la mise en gestion, on peut y arriver par des moyens incitatifs et parce qu'on travaille ensemble sur un massif et parce qu'on peut avoir une approche plus globale. La loi d'avenir de l'automne dernier met en place les groupements d'intérêts économiques et écologiques pour la forêt, donc avec cette idée d'un regroupement pour gérer ensemble, pour aborder les problèmes ensemble, pour mobiliser le bois ensemble. Donc on va à ce moment-là rechercher l'appui souvent de la collectivité, du maire, de la commune, pour par exemple travailler sur la voirie, les infrastructures qu'on a évoquées, et puis pour faire ce lien entre ces propriétaires et la filière qui attend une mobilisation. Mmh. Effectivement, on est là sur des approches territoriales. C'est une notion qu'on connaît bien dans l'économie circulaire et par la mise en synergie de différents acteurs qui vont faire que ces propriétaires vont se sentir pris en main et dans une filière. Monsieur, vous vouliez intervenir très vite et après monsieur. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais juste ajouter qu'effectivement, face aux difficultés de gestion des propriétaires qui ne sont pas des professionnels, donc ils ont quand même des professionnels auxquels ils peuvent faire appel. Donc ils sont soit des experts forestiers soit des organismes de la coopération et que ça doit être vu en complémentarité avec la gestion collective dans le cadre des groupements qui ont été évoqués, qu'on essaie de mettre en place une fois de plus, donc regroupement de gestion et puis effet d'entraînement, effet de levier derrière pour convaincre les propriétaires d'aller vers l'exploitation. Monsieur Daniel Leblay, je suis originaire des Alpes-Maritimes. Je suis un élu. On a entendu donc tout à l'heure dire que la forêt gagnait 50 km en un siècle, 10 km en 20 ans, on le vérifie sur le terrain. Si j'ai bien compris, hein, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est ce qu'on vérifie aussi sur le terrain. Dans ces espaces gagnés, il y a des espaces agricoles. Dans le même temps, on entend dire que cette forêt gagnerait à être optimisée. Comment gérer les espaces qui permettraient de mieux optimiser la forêt tout en respectant cette ressource? Mais d'un autre côté, il y a des espaces qui disparaissent et qui représentent des terres fertiles, très importantes pour participer à l'alimentation des populations. Est-ce que de travailler sur ces espaces perdus récemment et de les remettre à la destination d'un enjeu auquel ils répondaient auparavant ne serait pas une solution pour rééquilibrer un peu les problématiques alimentation des populations, gestion de la ressource naturelle? Françoise Alrique, merci monsieur. J'aimerais vous parler d'un outil qui existe alors depuis une dizaine d'années dans la loi, que vous connaissez peut-être puisqu'il a été énormément utilisé en France, c'est la charte forestière de territoire. C'est un outil
qui s'adapte au périmètre d'un territoire et qui a une méthode pour mettre autour de la table les différents acteurs intéressés par l'espace, notamment l'espace forestier, mais qui de toute manière va venir en interférence avec l'espace agricole. Et dès qu'on a autour de la table les différents usagers, les entreprises, les élus, les habitants, les associations, et qu'on entame cette discussion et ce travail de réflexion sur un espace communal, intercommunal ou autre, on va très vite d'abord poser les problèmes, on va apprendre à s'écouter, et on va dégager des enjeux comme ceux que vous évoquez, par exemple, et on va derrière construire des actions qu'on met en place. Donc vraiment, je vous invite à prendre connaissance de cet outil, la charte forestière de territoire, et vous avez dans votre région un réseau des chartes forestières de territoire qui peut venir vous appuyer, qui sont nombreuses, qui travaillent ensemble et qui vont aller vers ce type de problématique. Question là-haut. Oui, Madame Alexandre, et ensuite Monsieur Lau. Rajouter juste un point qui est, je crois, assez important. Là, on voit que il y a des stratégies nationales et qui doivent se décliner en stratégies régionales ou locales. Je crois que c'est très important et que c'est une composante essentielle de l'économie circulaire. Aucune stratégie nationale ne peut fonctionner si elle n'est pas relayée et cohérente avec les stratégies régionale et locale. Et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. On voit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte une application de ça, qui est qu'on demande aux régions de faire des stratégies régionales de la biomasse. Et ça, c'est très important, parce que ça va permettre à un échelon décisionnel, qui est l'échelon de la grande région, de mettre autour de la table, finalement, les mêmes types d'acteurs auxquels Mme Alric fait référence, mais des acteurs qui ont des moyens de politique publique, des acteurs qui ont des échanges fructueux entre eux, des acteurs, par exemple, de la recherche, des universitaires, des acteurs économiques, des propriétaires forestiers. Et tout ça, ça peut grandement contribuer à l'atteinte des objectifs. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Très important, oui. C'était un des sujets qu'on abordait dans le parcours hier après-midi. Dernière intervention, monsieur, et on conclut. Bonjour. Alors bonjour. Levez-vous là parce que vous êtes tellement loin. Voilà, il est là. Lilian Duré de Woodstock Création. On crée des programmes d'économie circulaire pour la réutilisation du bois, notamment, dans du design d'intérieur et de l'architecture. Et donc, on est sur le maillon réutilisation du bois et on n'en entend pas beaucoup parler là. Et je voulais savoir si, selon vous, les acteurs, donc, qui sont souvent très industriels, l'aspect local, l'aspect de la réutilisation de la matière pourrait être dans l'économie circulaire de ces filières-là un maillon qui n'est pas encore assez développé et qui mériterait sûrement à l'échelle de ce pays d'être développé et de permettre de faire des nouvelles choses et surtout de réduire la matière hors d'usage qui est souvent inutilisable dans du recyclage, du panneau et tout ce genre de choses. Merci. Oui, hein. Alors oui, bien sûr, il y a déjà des tas de filières qui sont organisées avec ce qu'on appelle des REP, hein, des filières industrielles qui s'intéressent au devenir de leurs déchets et à la réutilisation, au réemploi de leurs déchets. Il y a même une directive communautaire qui s'intéresse à la question des déchets et qu'il est question de revoir dans le cadre d'un futur paquet communautaire sur l'économie circulaire. Pour parler du bois, il y a déjà deux organismes dans le mobilier, mobilier de bureau et mobilier particulier, qui sont des filières REP et qui prélèvent donc une contribution sur les entreprises et organisent de la collecte et du recyclage des meubles, dont une partie est en bois, hein, tout n'est pas en bois. Dans le cadre du Conseil national de l'industrie, il existe, comme on a dit, un comité stratégique de filière bois. Et un des objectifs de ce comité stratégique, c'est effectivement de réaliser un plan déchets, c'est-à-dire de mettre en relation les problématiques de démolition, déchets, collecte, tri, recyclage, avec les problématiques d'éco-conception dans tous les usages du bois, que ce soit les usages de construction, les usages d'ameublement, etc., etc. C'est quelque chose qui est en démarrage, hein, mais absolument. Merci pour vos questions. On peut remettre une dernière fois la définition à l'écran, s'il vous plaît. On avait fait un pari, Alain Geldron et moi. Je lui ai promis que je la mettrais au moins 30 fois sur les deux jours. J'en suis à la 22e fois. Non, c'est pour Sylvie Alexandre. Bon, en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au début de l'histoire, là.
de l'économie circulaire dans ces filières et ce secteur bois. Finalement, à quelles conditions ? Vous m'avez fait la synthèse avec les tweets que vous avez envoyés. À quelles conditions on va pouvoir rapidement avancer ? Vous pouvez la remettre là ? Voilà. Ah oui, elle est là, elle est derrière nous. On va pouvoir avancer sur tous ces critères de définition de l'économie circulaire. Quelles sont les prochaines étapes, quoi, les points urgents à débloquer pour avancer? Ah ben on a des étapes très importantes, en particulier cette année. On a la COP21, donc on sait bien tous que l'enjeu fondamental qui nous réunit à Paris pour la COP21, c'est l'enjeu du changement climatique. Cet enjeu, c'est un formidable accélérateur de prise de conscience. Il a généré des interrogations, des politiques qui, je dirais, ont pris le parti de privilégier un développement des énergies renouvelables. Et encore, en France, on est sur des schémas relativement équilibrés, mais dans certaines autres parties du monde, on peut quand même se poser des questions. Et donc, maintenant, on en revient à une échelle supérieure. On regarde quelles sont les conditions de la pérennité des ressources. Donc, je pense que, à la fois, le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte, tous les instruments de politique publique, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, tout ça, ce sont des occasions pour que la filière bois puisse se faire connaître, se faire entendre et faire entendre les enjeux particuliers. Alors, je pense qu'il y a un enjeu qui est encore pas suffisamment relevé, c'est celui d'associer les détenteurs de la ressource. Mmh. C'est la question de monsieur tout à l'heure, elle est fondamentale. On ne peut pas, même avec du progrès technique, même avec des instruments de politique publique, on ne peut pas mettre en place un système d'économie circulaire si on n'a pas en face de soi des détenteurs qui sont d'accord pour y aller. Merci beaucoup. Il y a même de la pub, hein, Aurélien Triou, qui, si vous avez envie d'investir dans du bois durable en économie circulaire et en défiscalisant, il faut vite aller sur sauvegardeforêtmorvan.com, par exemple. Hein, c'est dans le fil tweet. Et puis des phrases clés que vous avez dites les uns et les autres qui sont bien reprises. Merci pour ce tour d'horizon avec la focale économie circulaire de ce secteur émergent. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est très clair, vous nous l'avez démontré. À 11h, du champ à l'assiette, et votre assiette, vous, elle se garnira à 12h30, c'est l'heure du déjeuner. On reprend 11h. Merci à vous. Merci.